Voilà, je suis à Orcival. Alors, comment ça se fait que je suis à Orcival? Ben, c'est tout simple. Quand j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à voyager en France pour mon propre plaisir, je suis tombée sur ce petit bouquin. Et ensuite, à partir de ce moment-là, je commençais à choisir mes destinations de voyage par rapport à ça. Il y a des belles choses là-dedans. Alors, c'est pas tout jeune. Oui, non, ça date de quelle année? Je sais pas. Est-ce que c'est marqué quelque part? Non. Si. 91. Alors, il y a plein de destinations là. Oui, et partout où il y a la petite croix, ben, je suis déjà allée. Voilà. Conques, Saint-Robert, Collonges-la-Rouge. L'autre côté, il y a Carnac, Saumur, Saint-Loup, Vouvant, Brouage. Brouage, c'est magnifique. C'est absolument à voir. Et maintenant, je suis donc en Auvergne. Et là, il y a Orcival. Voilà. Alors, Orcival, qu'est-ce qu'il dit sur Orcival? Voilà. Voilà. C'est ça. Orcival. Dans le Puy de Dôme, hein, à 17 km du Mont Doré. Voilà. Et donc, Orcival doit sa célébrité séculaire à la très belle basilique Notre-Dame construite au XIIe siècle. C'est un chef-d'œuvre d'art roman, très beau chapiteau, vantaux à peinture, peinture sur les portails sud. Voilà. Chaque année à l'Ascension se déroule un grand pèlerinage. Bon, aujourd'hui, on n'est pas à l'Ascension. Nous sommes le 30 juillet. Mais il y a quand même du monde, hein, parce qu'en fait, nous sommes dimanche aujourd'hui. Et tous les dimanches, il y a marché, brocante, et ainsi de suite. Mais j'avais un peu du mal à trouver à me garer. Bah oui, il faut que ce soit pas une cacahuète quand même. Et j'ai trouvé quand même à l'extérieur du village, il y a un parking spécial air camping-car. Bah ouais, mais il avait que des voitures, hein. Il avait un camping-car et tout le reste c'était des voitures. Donc pas de place, mais j'ai trouvé une autre place. Voilà. Et bien maintenant, je veux aller voir, visiter Orcival. Voilà. Ouais, attends,